Il est le troisième chef militaire du camp séparatiste à avoir été tué en un mois. Arseni Pavlov dirigeait une unité dans la République autoproclamée de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il est mort dans l'ascenseur de son immeuble où une bombe avait été placée. Trois jours de deuil national ont été décrétés par les responsables pro-russes pour lui rendre hommage. Pour le président de la République autoproclamée de Donetsk, les autorités ukrainiennes sont responsables de sa mort. Nous menons une enquête, a-t-il déclaré, et elle va nous permettre de trouver non seulement qui a commandité le meurtre, d'ailleurs nous savons déjà de qui il s'agit, mais aussi de mettre la main sur les exécutants. Arseni Pavlov était un citoyen russe. Il s'était fait connaître en participant aux principales batailles contre les forces ukrainiennes dans l'est du pays. Il s'était même targué d'avoir tué 15 soldats ukrainiens capturés par ses troupes.